on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo créa. Comme chaque mois, je fais un échange avec 18 personnes sur donc un thème. Donc là, au mois de mars, c'est le thème printemps. Moi, j'avais envie de faire quelque chose avec dans les tons, voilà, vraiment ces couleurs-là, dans les tons de vert et de... Oui, de vert comme ça et puis de jaune. Et du coup, j'ai fait des petites découpes à la Cameo. Donc là, ce mois-ci, j'ai fait ça en trois étapes, trois soirées. La première, j'ai découpé. Enfin, j'ai cherché le motif, la fleur que je voulais, j'ai découpé. Donc j'ai découpé donc en deux fois en blanc et en limonade à la limette, en vert. Ensuite, la deuxième, c'est la dernière qui me reste, c'est que pour la vidéo, toutes les autres sont faites. Ensuite, la deuxième soirée, c'était d'ancrer et de tamponner. Et ce soir-là, je les ai terminés, sauf le dernier, pour faire en vidéo avec vous. J'ai mis voilà, petite strass, petit machin, j'ai collé, enfin la fin en fait. Donc j'en ai fait 17. Là, ça va être la 18e ensemble. Donc du coup, ça c'est déjà découpé, j'ai fait les 18 d'un coup. Donc j'ai découpé à la Cameo. Vous voyez, ça fait en fait ce style-là. Mais là, en fait, on va carrément ancrer. Donc là, je vais mettre de côté. Vous voyez, mon papier a bien bien vécu avec les 17 cartes. On va ancrer en fait en Narcisse d'Hélice, Limonade à la Limette et Grenouille Guillerette. Voilà, pour faire un fond vraiment assez sympathique. Sinon, qu'est-ce qu'il faut? Sinon, j'ai utilisé le sentiment. Ça va être du kit Voici une carte. Et ça va être... Tac, 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 je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien. On va utiliser des strass. Du ruban limonade à la limette. Et c'est tout. Donc on va commencer par ouvrir les pads. Voilà. Je viens de les fermer, enfin il y a un quart d'heure. Hop. Alors celui-ci, je le jette juste après la vidéo. Je l'ai un petit chouï détruit. C'est comme ça. Là, sur ce cas-là, je ne fais pas du plus clair au plus foncé. Je vais faire un peu de vert là, du jaune. Enfin voilà. On fait vraiment. Enfin moi, je fais vraiment au feeling. Chaque carte est complètement différente. Voilà le fond en fait que ça donne. Et quand on met en dessous. Je vais le coller. Tac, 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 la colle, elle est ici. Donc je la colle à ça. La colle blanche. Alors c'est la fin. J'espère que ça va aller. Et on colle sur la base verte.
je sors la Memento avec le texte. Je t'ai fait une carte parce que tu le vaux bien. Un petit strass. Plus grand strass que je mets au milieu. Alors celle-ci, on peut mettre des petits strass autour si on veut. Je l'ai pas faite à toutes parce que là, on n'aurait pas eu assez. Et on sort du tissu, du ruban, n'importe quoi, du tissu, n'importe quoi. Hop. Si on peut le faire à la main, hein, pas qu'à la Cameo, on fait un format tag avec une petite perforatrice ronde ou un poinçon pour les brats, et puis on arrive à faire exactement la même chose en un petit peu plus de temps pour moi. Et voilà. Je vais vous en montrer. Donc là, j'ai toutes les autres sont ici pour vous montrer. Et voilà. Elles ont tout un fond différent, mais que du vert et du jaune. Parce que pour moi, le printemps, bah, le vert, le soleil revient, l'herbe pousse. Voilà. Donc voilà pour la petite créa tag du soir. À très vite en vidéo. Tchuss.